Salut à toi! Allô? Bienvenue dans ce 2 pour 1 sur le sujet de la confiance. La confiance en soi. On revient, on a parlé de la reconnaissance et aujourd'hui c'est la confiance en soi. Vas-y, Julien. Aujourd'hui la confiance en soi, écoute, pour moi la confiance en soi, souvent je remarque qu'on fait une erreur, c'est de croire qu'on peut aller la chercher, qu'on peut la travailler, c'est comme un truc à développer. En fait, pour moi la confiance c'est quelque chose qui apparaît suite au passage à l'action. C'est-à-dire que tu ne peux pas attendre d'être confiant pour passer à l'action, sinon tu ne fais jamais rien. Par contre, quand tu passes à l'action, comme tu te vois en mouvement, eh ben, tu commences à gagner de la confiance, puis tu obtiens des résultats. Donc plus tu en obtiens, plus tu avances, plus tu progresses, même si des fois ça prend c'est pas facile, tu gagnes en confiance, tu augmentes ta confiance. Tu travailles ton muscle. J'adore. Et j'ai presque envie de rajouter, c'est le être confiant versus le avoir et faire confiance. Pourquoi? Parce que finalement, le avoir et faire confiance, pour moi, il se base sur le passé. J'ai loupé, j'ai manqué mon examen, j'ai pas réussi à faire une entrevue, j'ai manqué un poste, j'ai loupé un match de tennis. C'est sûr que je louperai les prochains. Être confiant, c'est de se dire non, j'ai loupé, j'ai appris, je me suis ajusté et aujourd'hui, c'est nouveau, même si pour vous c'est peut-être la troisième fois que vous passez le même test, ça reste qu'aujourd'hui tout est différent. Vous n'êtes plus la même version de vous-même d'il y a 3 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 3 jours. Donc on change. Alors il y a vraiment une différence entre avoir et faire confiance qui se passe beaucoup sur le passé et être confiant aujourd'hui où on est là. Ouais, t'es dans le moment présent, tu fais. Être confiant. Super. Donc maintenant que tu sais tout ça, il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Passer à l'action, c'est commencer par mettre un commentaire sous cette vidéo en précisant quelle est l'action que tu vas poser toi à partir de maintenant, que tu attendais depuis trop longtemps parce que tu manquais de confiance. Oui, et n'oublie pas aussi de prendre le temps de sentir comment tu te sens, d'avoir vraiment l'idée derrière du être. Comment tu veux être en faisant l'action? Qui tu veux être en faisant l'action? Super important. Abonne-toi à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine capsule du 2 pour 1 sur le sujet de l'observation et la conscientisation, parce que finalement c'est la base. Absolument. Maintenant, donne du sens à ta vie, passe à l'action, tu es magique. Tu es magique.